Les gars, la Fédération camerounaise de football a repoussé le staff venu du MINSEP. C'est du moins ce que nous apprend Nadia TV, qui a donc eu à nous décrypter cela dans cette vidéo que je m'en vais vous laisser écouter. Il nous apprend par exemple que pour un premier temps, seulement le coach a été accepté à l'intérieur de l'enceinte. Puis, quelques temps après, avec l'arrivée du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ils ont donc laissé porte ouverte à tout le staff. Mais à l'intérieur, c'était juste quelques minutes, je dirais, selon leur dit, 3 minutes seulement ont suffi pour pouvoir faire la réunion qui était prouvée. Reste à savoir déjà s'il y a eu réunion, parce que 3 minutes, c'est très short. Alors, ils sont donc quelques minutes après ressortis. Et vous allez également apprendre ou bien écouter la déclaration du conseiller technique du ministère, qui, à l'entendre parler, est bien courroucé, est bien remonté contre ce qui se passe actuellement. Mais je dois rappeler une fois de plus, nous sommes à quelques jours, je ne dirais même plus semaine, quelques jours de la première rencontre ou bien de la prochaine rencontre de la double confrontation au mois de juin des Lions Indomptables, comptant pour la phase d'élimination pour la Coupe du Monde 2026. Je vous propose d'écouter et voilà, je vous mets mon commentaire à la suite. À tout à l'heure. Sur invitation du secrétaire général, le coach a pu accéder, mais le directeur de protocole du président de la Fédération camerounaise a formellement interdit au staff de Marc Brice, puisqu'ils sont venus presque au complet avec le préparateur physique. Ils ont donc été déclarés persona non grata à l'entrée au portail de la Fédération camerounaise de football. Une grosse désolation pour l'équipe de Marc Brice et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, puisque le conseil technique était accompagné de l'inspecteur général du ministère qui lui est resté campé dans sa voiture. Je vous propose d'écouter le professeur Cyril Ntolo. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Arrivé à 9h05 et puis 15 minutes plus tard, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, arrive, demande à ce que tout le staff de Marc Brice et bien sûr du ministère des Sports entre. La réunion aurait duré 3 minutes seulement et premièrement on a aperçu Cyril Ntolo sorti et ensuite l'ensemble du staff, y compris Marc Brice. La réunion n'aura duré que quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Impossible de dire ce qui se passe véritablement. Une mauvaise image pour le football camerounais alors que nous sommes à moins de 2 semaines des phases éliminatoires du Mondial 2026. Qu'adviendra-t-il? Avec quel staff la Fédération camerounaise de football travaillera-t-elle? La question reste en suspens lorsqu'on sait que lundi soir, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a levé la suspension du staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Voilà les amis, je pense que vous avez écouté, vous aviez pu vous faire votre part de petite idée là. Je ne sais pas, moi également de mon côté, comment va se dérouler la suite. Nous sommes à quelques jours, le prochain match ou bien le premier match au mois de juin, je crois c'est le 8 contre le Cap-Vert. Et maintenant, on ne sait pas quel est le staff qui va accompagner les Lions. On ne sait pas quels sont les coordonnateurs. On n'a aucune visibilité. Et c'est une première, franchement. Ça ce n'est pas du tout beau à voir. Ce n'est même pas, ça n'honore même pas notre pays. Mais que pouvons-nous faire en tant qu'observateurs? On ne peut qu'interpréter ce que nous voyons ou bien partager ce que nous voyons. Peut-être vous avez une autre petite idée de la situation, comment ça va se dérouler, mais moi là je suis KO, je ne sais pas. À quelques jours du match, je ne sais pas qui va accompagner les Lions comme sélectionneur, du moins le staff qui va accompagner les Lions. Rien ne trace, rien ne ressort de tout ce qui se passe. Bref, les amis, restez scotchés. S'il y a du nouveau, on vous revient. À très bientôt. We'll be right back.
Thank you.